קורא את על הרפואה של אמה, דורפאל, דניאל, חיים, בן דבורה, רייזל, אל נא רפנלו, אל נא רפנלו, אל נא רפנלו, נא לו, זכות התורגן בעדו ויחלו כוחות כולם, וכן יהי רצון ונאמר אמן, אשר זמינו הפרשת ויקהל, פרק ל"ה, פסוק ל"ב, לתורה נופל בבצלאל, אל נודי וימלא אותו רוח אלוהים, בחוכמה, בתבונה, ובדעת, ובכל מלאכה. Il l'a rempli d'un souffle divin, d'habileté, de jugement, de science, d'aptitude pour tous les arts. Vélarchov marshavot. Et de pouvoir avoir des pensées justes. La asot bakesef ou Et pouvoir s'arranger, mettre en œuvre l'or, l'argent et le cuivre. Il y a un très grand rave de la chassidoute qui s'appelait le Divre Shmuel, Et il dit la chose suivante. C'est quoi ce qu'Hachem attend de l'homme lorsqu'il va travailler Bien évidemment de ne pas voler, bien évidemment de ne pas arnaquer, bien évidemment de ne pas faire des choses mauvaises, mais à part ça, il attend quelque chose d'essentiel. C'est que l'homme, lorsqu'il travaille, son esprit, sa tête, soit dans Dieu. Si c'est ça, racham dans la Torah. Même si ce n'est pas un raham, se rappeler que c'est Dieu qui fait tout, c'est Dieu qui amène la parnasse, c'est eux qui est dans tous les domaines. Dit le Rav, c'est ce qui est écrit ici dans le passage qui est écrit. L'archov marche à Il faut penser à dépenser. Quand ça, la basam ou ou quand t'es en train de faire des affaires, de l'argent, de l'or, du kif, tu fais des affaires, c'est là qu'il faut que tes marche à vote, que tes pensées, elles soient, elles soient où Elles soient dans l'accomplissement des mitzvot. Et c'est écrit dans le pasouk, yagia kapecha kitochal. Tu dois te fatiguer avec tes mains pour manger. Et chachami me disent, on t'a pas dit de te fatiguer avec ta tête. Ta tête, laisse-la là, là où elle est. Ta tête, laisse-la dans la Torah, agdosha Ta tête, laisse-la kakadosh baruchu. Quand tu fais des affaires, ta tête laisse-la tranquille. C'est tes mains qui doivent se fatiguer, qui doivent faire des choses. Ta tête, qu'elle reste concentrée avec Akadosh Baruch Hu. Et le Rav Shlomo Zalman Herbar disait que quelqu'un qui travaille et qui pense que c'est son travail qui lui amène la Parnassa, eh ben c'est exactement comme un idolâtre. Quelle différence L'idolâtre, c'est l'homme qui se dit, cette statuette, elle va pouvoir m'aider. Cet astre, il va pouvoir m'aider. Bref, une autre force que la force suprême qui est Akadosh Baruch Hu. Et bien celui qui pense que mon entreprise, mes employés, mes affaires, mes machins, c'est ça qui va m'aider, c'est d'une certaine façon quelqu'un qui fait de la zara. Et quelqu'un qui se dit le jour où je serai engagé dans telle entreprise, enfin je serai heureux et je réussirai, c'est quelqu'un qui fait de la zara. Voilà, Bezrat Hachem, qu'on ait le mérite d'avoir notre tête toujours, toujours, toujours dans la Kadosh Baruchu. Toujours Même quand on fait nos affaires, que notre tête, elle soit qu'à Kadosh baruchu. Et c'est de cette façon-là, dit le. D'Ivresh qu'on peut avoir une bonne Parnassa. Parce que lorsque notre esprit est pur, eh ben les tsinorotes, les tuyaux qui sont censés conduire la Parnassa d'en haut à l'homme, eh ben ils sont purs. Et quand ils sont purs, la Parnassa arrive. B'atlacha, mes chers amis.